Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci à pile parce qu'avec nous sur télévision nationale d'Haïti dans le sein, nous comptons rejoindre nous pour l'autre numéro mis au point. Là, on apprend très certainement regarder la réalité politique pays avec Yomom dans la cellule communication Premier ministre Jean-Henri Séan, Dodley Aurelius, qui très certainement pourra regarder avec nous la réalité sociale là, politique là, mais surtout regard gouvernement. Et ensemble de dispositions qu'on prend pour permettre de gagner des réponses appropriées qui pourraient, ça qui pourrait l'aider, bien entendu, eh bien, les populations galons souffrent, ça qui pourrait l'aider, situation à retourner à la normale. Dodley Aurelius, bonjour, bienvenue sur TNH. Bonjour, je salue Serginio, je salue toute équipe qui accompagne vous pour rendre l'émission ça possible. Et tous les téléspectateurs, internautes qui ont suivi l'émission ça, j'en dis là, nous là pour que nous fassions le point sur ça qui méritait faire le point. Et ouais, dans quelle mesure nous sommes capables d'assurer la population sous disposition qui apprend pour que nous connaissions aller mieux. Jean-Premier ministre l'a toujours dit, établi un climat d'apaisement pour permettre que l'investissement se fasse et pour permettre que le pays en libre rail développement définitivement. C'est une communication ça et c'est au niveau de la préfecture ou bien c'est dans le cabinet du Premier ministre? Au niveau du cabinet du Premier ministre, parce qu'on a gagné une équipe de communication et qui a travaillé dans la primature bien avant que Maître Jean-Henri Séan descende dans la primature. Là. Maintenant, Maître Jean-Henri Séan a une équipe qui était capable de travailler ensemble avec lui au niveau de la communication. Moi-même, je rejoins l'équipe là depuis octobre dernier et nous avons travaillé ensemble avec l'équipe communication qui était déjà en primature pour que une seule équipe fait travail là et travaille pour informer les populations sur ce qu'a fait et pour permettre de gagner confiance les gens qui nous ont dit là. Alors là, puisque les primatures, puis c'est la communication, nous n'avons pas qu'une bonne cacophonie. Non, 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 pas du tout. C'est ça fait nous une seule équipe. Et l'équipe communication qui était avec Maître Jean-Henri Séan depuis son campagne électorale. Que moi je joins à partir du mois d'octobre passé. Je travaille ensemble avec l'équipe communication qui était déjà dans la primature, qui a mené la communication primature, puisque nous connaissons primature, nous avons une équipe en cellule de communication qui travaille là-dedans. Donc nous faisons partie de une seule et même équipe qui est soudée autour de un chef qui est le Premier ministre Jean-Henri Séan. Comment la primature aboutit? Bon, nous portons bien. Nous portons bien et ça a pris 2 mois. À peine bien 2 mois depuis Maître Jean-Henri Séan installé dans la primature. Et ça pour régler dans le régler. Et rencontrer tout acteur possible pour que les réponses que j'aime donner appropriées, l'hypothèse avec tout problème qui vient. Ça t'a dit que tu travailles en toute sérénité, je veux dire. Hein? En toute sérénité, décidément. Et pas oublier que c'est le gouvernement. Si. Il y a un bagage pour que nous toujours on aime. Maître Jean-Henri Séan, son monde qui est dans la politique depuis longtemps. Et savoir travailler. En toute sérénité, c'est culture parler. Donc, mettez tout le monde ensemble pour faire mayonnaise la prendre, c'est habitude. Li. Et c'est justement habitude ça qui a continué au niveau de la primature. Mettez tout le monde ensemble, c'est un travail très difficile, surtout dans le pays. Dans la mesure du possible. Avec une société qui est très polarisée. Dans la mesure. Sa stratégie à un niveau gouvernement pour que vous faites tout le monde d'accord. Stratégie, c'est dialogue. C'est dialogue qui a continué. Et ça qui arrive que tout le monde ne peut jamais aller. Et ou toujours les mêmes bagages, les mêmes gens. Ça arrivait que vous voulez aller au Cap, vous voulez aller au Cap. Mais nous, chaque nous avons une route, nous voulons prendre. Mais l'objectif là, c'est ni moi-même ni vous-même aller au Cap. Et bien, c'est ça, nous croyons. Oui. L'objectif là, c'est que Haïti les prend un rail développement. C'est l'objectif premier. Tout le monde, supposé, tout acteur, nous présumer, tu as supposé gagner. Ça arrivait que j'en voulais, route moi, je voulais prendre, c'est pas aller qu'on voulait prendre. Mais n'importe où, nous. Sous en fait, que c'est ça bien pour payer à que nous voulons. Et c'est dans le niveau ça que le dialogue allait continuer avec quel que soit acteur, quel que soit côté où se trouve, pour permettre que l'apaisement l'établit et l'investissement fait et le développement vienne à vous. Maintenant, arriver à faire dialogue là, il faut que toute partie soit d'accord. D'ailleurs, j'ai entendu là, tango à ça, deux pour danser. Maintenant, est-ce que là, en face, vraiment, on a une certaine volonté effectivement pour répondre? Axe à nous solliciter, dialogue, ça ne peut pas aller aujourd'hui. Nous souhaitons, nous espérons et nous croyons que si l'intérêt Haïti, c'est lui-même qui est numéro un, qui est priorité, dialogue là qu'a fait. Et moi, pour répéter une parole, le Premier ministre a dit ça va gagner 2 semaines. Là, continuer à dialoguer, même avec le monde qui va d'accord. Donc, dialogue là encore possible. Et c'est ça que fait, quel que soit côté mon trouvé lui. Il y a une façon pour nous parler. Nous sommes haïtiens. Nous parlons créole et nous sommes capables de comprendre l'autre. Ça arrive, j'aime ce jour-là.
que nous pas ouais bagaille au même genre en termes de route pour nous prendre pour que nous résoudions problème. Mais si nous d'accord nous toutes que problème non, son question chômage, son question instabilité, son question insécurité, son question la vie chère. Mais si nous toutes nous d'accord problème non, c'est ça lié. Faut que nous d'accord pour nous résoudre. Et pas qu'à résoudre pour compte moi. Premier ministre pas capable faire pour compte lui. Président pays Jovenel Moïse pas capable faire pour compte lui. Donc c'est à nous toutes qui pour mettre ensemble pour que nous arrivions vers la solution que nous souhaitons, vers Haïti que nous souhaitons. Et c'est ça qu'on a fait. Et j'aime dire tout à l'heure, le Premier ministre a inscrit dans la dynamique, dialogue continue, continuer dialoguer. Quel que soit le problème qui est posé, nous avons analysé, nous avons dialogué. Nous avons pris des décisions, nous avons dialogué. Ça va faire déjà 2 mois. Oui, ça fait 2 mois. C'est une nouvelle fois, ça arrivait que le Premier ministre Montel n'a pas mis trop de temps de grâce, il y a une crise pour gérer. Pendant 2 mois, ça a eu. De manière concrète, qui ça effectivement arrive à faire pour que vous montrer, vous voyez le signal que nous avons envie de dialoguer, vous voyez le signal que nous avons envie de faire tout le monde entrer dans ce cela avec nous pour arriver dans Haïti que nous souhaitons. Ok. Et pour moi, pour la question, ça m'a fait mon petit génie, tout petit, de rentrer Premier ministre Jean Rissien en primature. De remplacer M. Dr. Jacques-Guy Lafontaine. Donc, on est après l'événement 6, 7, 8 et juillet. Tempral et remettre démission. Et après que le Premier ministre Lafontaine remette démission, il a gagné un dialogue que le président Jovenel Moïse a entamé avec tout acteur et dans la vie sociale. Le dialogue s'est mené sous 4 noms. Parmi 4 noms, c'était le Premier ministre Jean-Henri Séan qui était désigné comme monde qui peut mener le gouvernement. Eh bien, nous connaissons que nous, entrer dans la primature, dans la situation, dans le contexte, c'était particulièrement difficile. Il y a une insécurité dans l'entrée sud capitale. Là, nous songeons, il y a une déclaration de l'ancien Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine qui était fait en pile et l'encouler. Nous songeons et tout ça qui était gagné dans le pays. Donc, nous entrons dans un contexte qui était difficile. Mais pendant ça, c'est ça qui fait. Gagnons un groupe de jeunes, des pétro-challengers qui te réclament, qui te gagnent des réclamations que yo dit clairement qu'ils allaient. Et bien, dès que le Premier ministre a monté, il dit les mêmes tout. Il n'a pas dit côté l'argent pétro-caribé a passé. Les mêmes tout, l'été dehors. L'été, quand on a demandé côté l'argent, ça a passé. Et puisque il y a un danger, il faut que lui, je veux une question pour lui. Il va lui poser une question, il faut que je une réponse. Eh bien, il y a un premier bagage qui fait, pour me répondre à la question directement, c'est que vous rencontrez, le Premier ministre, vous rencontrez tout acteur de CSPJ. Vous rencontrez le Cour des comptes. Par exemple, avec le CSPJ, nous songeons récemment, ils ont renforcé la sécurité juge d'instruction qui a travaillé sur le dossier. Nous rencontrons le chef gouvernement, le Premier ministre Jean-Louis Séan, avec CSPJ, il dit que ça nous voulait. Dis-moi ça nous voulait pour que nous-mêmes nous fassions travail. Non? Si le dossier allait en pile, on seul juge d'instruction qui travaille sur lui. Si nous voulons que nous une batterie de juges qui travaille sur lui, nous allons faire. Les dit que pas gagné rien que nous demandé en termes de moyens et que qui disponible pour travailler à la fête. Pour travailler à la fête. Effectivement, le travail du juge d'instruction a continué. Il y a un compte qui est fait avec l'autre acteur. En parlant, nous avons dit au cours des comptes. Pour bailler au moyen nécessaire. Il y a 2 rencontres qui sont faites déjà que la presse est au courant avec la Cour supérieure des comptes. Qui lui même tout a un volet dans la question que l'a géré. Mais tout ça, c'est pour permettre que nous une réponse institutionnelle qui baille avec une question que en pile le monde posait et que nous certains, que nous d'accord, qui méritait une réponse. Et c'est à ça notre travail. Mais pendant qu'on parle de dialogue, ça, de questions plutôt caribéa, il y a des gens qui croient tout. Est-ce que le gouvernement n'a pas influencé ça qui peut sortir en termes de rapports, en termes de documents, pour permettre que le pays a connu effectivement côté comme plutôt caribéa? Vous pensez, excusez-moi, par déformation professionnelle, on dit vous pensez, c'est comme si je voulais poser des questions, je ne vais pas poser des questions, je connais mal ça. Tu vas tout poser, tu vas répondre. Oui, mais ça me dit. Vous pensez que entre un premier ministre qui est en fonction
qui dit la justice, m'a dit que j'ai besoin. Ma baoule, depuis que j'ai pour faire travail. Qui pose en première action, juge d'instruction qui travaille sur le dossier, il renforce la sécurité. Il dit CSPJ, par là, juge là, dit juge là, qui a besoin encore comme moyen, comme besoin pour qu'il satisfait. Pour qu'il fasse travail en toute indépendance. Vous pensez qu'un premier ministre qui est en fonction, chef gouvernement, qui parlait avec la Cour des comptes, qui dit, moi, je suis prêt pour me battre moyens pour nous renforcer l'institution pour faire travail là. Avec un autre groupe qui dit, vle pas vle, c'est chambardement total, c'est fol aller pour pousser à fête. Sincèrement, mon cap garde l'émission là, jeudi à matin, ou bien après-midi, cap regarde. Qui côté, effectivement, ou quoi que vous possède juste et équitable capable de faire? Entre un monde qui dit la justice, dit tout ce qu'on a besoin, un bon moyen de travailler sur le dossier, avec un monde qui dit, vle pas vle, faut l'aller, faut gagner des autres, faut gagner carreau, faut gagner stabilité, qui est souhait, qui sincèrement, qui voulait que lumière faite, et lumière faite sur le dossier. Nous avons garanti ça, M. Lindor. Nous avons garanti ça avec tous les téléspectateurs qui ont regardé la télévision aujourd'hui. Pour s'y en entamer, et bien fait. C'est pas longtemps, non? 28 septembre, si je ne suis pas abusé, il y a deux citoyens qui allaient dans le cabinet d'instruction, accompagnés d'avocats, dont il y en a eu au cœur de toute manifestation, etc., qui a fait. Ou qu'on y a après au soutien dans le cabinet d'instruction, son rappel, il était passé dans la presse, tout le monde était vrai. Ou qu'on y a dit, jeudi, qui c'est 28 septembre, la plus grande date historique parce que le procès Petro-Caribé a lancé véritablement. Donc, il est d'accord que le procès a été lancé. Donc, si le procès a été lancé, donc, quitter la justice fait quoi? Mais pendant qu'on a parlé de ça, des groupes de l'opposition, par exemple, qui radicalisaient la position, qui même pas attendaient parler de questions de procès, ou par quoi que l'administration s'est arrivé, ben, résultat. Et même c'est pour le chambardement. Est-ce que dans quel niveau qu'on a gouvernement apprécié ça qu'a dit là yo par rapport au groupe ça yo, est-ce que tout nous parlons pour une chute avec tout? N'a pas chute à tout le monde, nous se dit ça tout à l'heure. Premier ministre il inscrit dans le cadre d'une dynamique de dialogue continue. A continuer dialoguer avec tout groupe, même monde qui pas veut dialoguer. Même se dit ça tout à l'heure. Lorsque le premier ministre qui dit que la quitter la justice travaille sur dossier là. Et la balle moyen pour qu'il travaille sur un dossier. Mandez-moi ça nous voulait, dans la mesure du possible, ma balle, pour que nous travaillions sur le dossier en toute indépendance, s'il vous plaît. Ce n'est pas que je vais aller m'initier dans le procès ou bien dans le déroulement du procès. Non, pas du tout. Je vais une institution qui est compétente, un moyen pour faire le travail. Mais c'est ça, non, ça nous inscrit, non. Pour le ministre, non, qui est chef gouvernement, n'a pas continué à parler avec tout acteur. Yo. Pendant que l'a renforcé et institution qui l'a pour faire travail, l'a continué à dialoguer. C'est pas longtemps, non? C'est pas long, moi, non? Et M. Lindor, que gagné une compilation, un livre qui sorti au niveau de la primature. On peut gagner au niveau de la télévision nationale. Parce que tu vas aller dans la communauté, tu es sorti. Il y a tout accord, convention, contrat, résolution. Qui passe, résolution. Qui prend un conseil des ministres sous question Petro-Caribéa. Son premier jet. Elle dit, nous gagnons déjà une première source qui est capable de permettre nous qui côté comme vous allez. Kounia, pral gon deuxième niveau. Entreprise qui était jeune contrat, qui a fait un cob là. Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous travaillez fait? Est-ce que vous bien fait? C'est pas un autre niveau d'appréciation. Mais premier niveau, hein, nous faisons. Nous disons, mais qui contrat, mais qui accord, mais qui convention, mais qui s'acte signé en conseil des ministres sous question Petro-Caribéen. Donc, on a l'homme, ne serait-ce que parfois après cela. Donc, nous sommes capables d'apprécier. Maintenant, est-ce que nous, au niveau gouvernement, nous seulement croyons que par rapport avec le mouvement de la rue, ou avec la manifestation qui se fait le 18 novembre, ça qui te fait le 17 octobre, est-ce que nous seulement chita sur la question Petro-Caribéen seulement, est-ce que nous avons un autre problème politique? Qui peut être posé dans la rue, là, qui t'a mérité de résoudre, mais qui a plein de réponses rapides bon côté gouvernement de l'Orilus. Avant 17 octobre,
avant 18 novembre, il y a une manifestation, nous sommes d'accord sur ça. Pendant plusieurs dimanches. Et c'était un groupe qui a aidé Petro Challenger, qui est sur les réseaux sociaux très actif, et a dit contre l'argent Petro Carrelé a passé. Mais il y a une tentative de récupération du mouvement ça, à des fins politiques ou politiciennes seulement. Je ne crois pas que tout le monde qui est dans la rue, hein, qui a demandé contre l'argent Petro Carrelé a passé, que c'est seulement le dossier Petro Carrelé à régler. D'ailleurs, 18 octobre là, il était confirmé, 18 novembre là, il était confirmé ça. C'est prématuré, demandé, oui. Demandé que un président dans la Cour de cassation, que le président soit dans la Cour de cassation, que le premier ministre soit dans l'opposition. Non, au sérieux. C'est ça, demandé. C'est ça que nous relais, retirer comme mettre comme là. C'est des formules que nous utilisons à plusieurs reprises. Et que malheureusement, qui n'a pas porté résultat escompté. Retirer quoi, mettre comme là, je ne sais pas, c'est la donne que le pays a un intérêt. Le pays a un intérêt dans la stabilité. Le pays a un intérêt dans le dialogue. Le pays a un intérêt dans le parler, dans le coller les épaules, dans le mettre ensemble. C'est vrai qu'il y a toujours des divergences. Mais l'intérêt, moi, plus que le n'est pas dans l'instabilité. Plus que l'intérêt, dans le apaisement. Un climat qui est capable de permettre que les touristes rentrent, investisseurs investissent, l'argent fait, Boudla qui a perdu valeur de vendre là, que les capables de reprendre force. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain, non, que Boudla a sorti de 75, passé à 50 ou 25 gouttes de chalité avant. Pas du jour au lendemain. C'est production. La production pour gagner, oui. C'est pays qui pourra en chantier, qui pourra travailler. Mais c'est tout le temps. Nous avons tiré roche. Regardez ça qui passe dimanche là. Si tout le temps nous ne voulons pas faire aller pour nous réduire le pays ensemble et que même sous 100 ans nous avons combattu tout, bah quoi c'est ça. Et moi-même, moi, j'ai trois petites. Dans le pays là ou? Qui vivent dans le pays là, qui fait dans le pays là. J'ai trois petites, 10, 9, 7 ans, que m'a fait éducation ici dans le pays là. Tout était rêve. C'est vrai que Haïti, li son endroit que nous avons vivre la donne. Nous avons fait 16 ans de travail comme journaliste. Et l'homme a commencé, je commencé comme économique et sportif. Et moi, j'ai eu une chance et voyage en pile. Moi, j'ai eu mon âme vivre. Et parents, amis, famille, bon, pression pour qu'on vive là-bas. Nous choisis pas faire. Madame m'a vivre dans le pays, petite m'a vivre dans le pays, m'a travaillé dans le pays. Donc, moi, j'ai intérêt que le pays est stable. Moi, j'ai intérêt que moi, qu'à vivre la donne. Contrairement à des gens qui assument que madame, yo petite, yo pas dans le pays et que faut qu'ils aient du pays ensemble, faut qu'ils déblosent, faut qu'ils écrasent et brisent parce que yo m'en fous. Vous avez trop intérêt là. Nous, pas qu'à m'en fous. Nous allons m'en fou et Sergio. Nous allons m'en fou le lever matin pour nous que nous allons mener nous l'école, nous allons pas avancer. Nous allons m'en fou pour nous que nous besoin la ville pour nous mener activité nous pas capable. Nous allons m'en fou pour nous que activité économique nous pas qu'à avancer parce que bon c'est l'objectif. Voulez pas voulez faut aller. Faut réduire pays ensemble et sous même sans non, m'a combattu. Mais justement, qu'on est là. Là, là, ici, moi, il faut qu'on essaie au jour le jour, ils vivent. Justement. C'est chaque jour, le web à yo, ils sortent, ils regardent, pour payer l'école, ils mangent le cas, etc. Mais là, qu'on est là, parce que de temps en temps, un mouvement, manifestation, on n'a pas qu'à faire une activité, bon, c'est sûr que ça arrive beaucoup de gouvernement. Ça, on attend, c'est des mesures, que c'est des dispositions. Des réponses c'est des réponses. Justement. Mais les réponses, ça, qui les a portées? Non, il commence à porter. Pour calmer la situation. Il commence à porter. Pas oublier, il y a tout à l'heure, il y a commencé l'émission. Le premier ministre nous dit que lorsque le premier ministre Jean Rissé a rentré dans la primature, il y a un problème. Il y a un problème au niveau de l'entrée sud de la capitale. Là. Nous avons tout problème qui était gagné, pas besoin de retourner sur yo. Mais. Semaine, deux semaines, trois semaines après, nous t'es senti à calmer. Hein. Mais vous avez comme impression que vous avez et des gens qui ne sont pas confortables lorsque le pays est calme. Mais il n'y a pas de question de sécurité.
Il y a plusieurs bagages qui sont capables de faire une sécurité. Il y a plusieurs causes qui vont provoquer. Il y a cas structurel, il y a cas conjoncturel. Il y a cas structurel, il y a des gens qui sont tellement dans une situation de précarité, de misère, que n'importe qui s'en va. Ne serait-ce que promesse pour faire des ordres, il fait des ordres. Vous savez, non? N'importe qui s'en va, ou bien promesse que vous dites, pour faire des ordres, il fait des ordres. Nous comprenons ça. Comme ça, tout. Les capables conjoncturels, les capables, c'est de les fait pour un but bien déterminé. Eh bien, quitte ces causes conjoncturelles, quitte ces causes structurelles, le gouvernement, avec les instances qui placent pour ça, a travaillé sur eux et a porté une réponse appropriée à chaque cause. Et ce travail qui a fait au niveau du gouvernement, et c'est là nous quoi. Parce que je me suis dit tout à l'heure déjà, on ne parle pas, non? Le monde qui fait de pays ça, pays par exemple, qui accepte que c'est là qu'il fait, que c'est là pour grandir, et c'est là pour changer là, on ne parle pas, il y a un intérêt dans l'instabilité. On ne parle pas, il y a un intérêt dans le brisé. On ne parle pas, il y a un intérêt dans le chéri. Oui, d'accord, que nous demandons compte. Et le monde qui doit rendre compte, il y a pour rendre compte. Et nous d'accord tout que vous commencez, que il y a des dispositions qui prend pour vous rendre compte, comme tout à l'heure, le 28 septembre, lorsque le juge d'instruction a enterré les deux et les gens qui constituaient tête de partie civile dans le procès Petro-Caribéen, il était dans le cabinet d'instruction, moi j'entends des avocats qui dit que jour ça, l'a inscrit dans l'histoire du pays d'Haïti parce que le procès a commencé. Bon, quoi que le procès a commencé, et pour nous avoir demandé pour le procès fait, non, on a l'autre objectif. Maintenant, est-ce que nous avons des tentatives qui sont faites au niveau du gouvernement pour chita avec nous du monde, des voix de l'opposition qui radicalisent la position de dire. Nous avons chita à tout le monde. Nous avons continué à chita. Est-ce que des tentatives qui sont faites déjà? Permettez-moi de dire ça, M. là, Serge Niolenda. Permettez-moi de dire que nous avons continué à chita avec tout le monde. Nous n'avons pas autorisé pour me dire. Mais qui rencontre qui fait, mais qui les rencontre qui fait pour ne pas fragiliser la discussion qui a fait pour permettre que la situation soit apaisée. Même pour garantir que la rencontre, il n'y a pas commencé aujourd'hui et il n'y a pas fini aujourd'hui. Il y a continué avec tout acteur. Et Jean-Premier ministre a dit là, même avec Sinaïo qui avait dialogué. Parfait. Là maintenant, il y a des voix qui demandent pour qu'on passe les mains qui fait dans le gouvernement. Même si j'ai dit, mes amis, l'équipe de la Bourgogne, même 3 mois. Qui sont qui base pour évaluer la performance de nous. Mais qui est le gouvernement apprécie ça? Il a même tendu le président du bloc majoritaire au niveau de la Chambre des députés qui a demandé ça et qui a même dit pour continuer à collaborer, il faut gagner un changement qui fait. Oui. C'est toujours le dialogue là, il a continué. Le premier ministre a dit qu'il n'y a pas longtemps. Et pas gagner aucun sacrifice qui est trop si. Il doit permettre de gagner une situation qui calme, que le climat est apaisé. C'est vrai que le gouvernement, c'est vrai que le Premier ministre a monté le 17 septembre. Donc, ça fait à peine 2 mois, 17 octobre, 17 novembre. Donc, ça fait à peine 2 mois que le Premier ministre l'a installé dans la primature. Mais il dit ça tout. Si, dans le dialogue qu'a fait, la majorité acteurs, la majorité monde, que le balai yo aller dans un sens, dans le sens d'un remaniement, pourquoi pas? Mais mes amis, si c'est ça pour permettre que la situation calme, bah que non, trop pour la République là, comme sacrifice que on monde fait, même si que vous avez gagné 1 mois, 2 mois, 3 mois dans une équipe, bah quoi, non, trop. Ça va le dire pour autant, non, que monde qui pas là encore, tape mal travail. Ça va le dire pour autant, non, se dit d'aller à le temps pour évaluer. Pour mon n'ait temps pour connaissance d'un série de dossiers. C'est le bat dans la boîte là, même lorsqu'il est dans la boîte là. Pour mon n'ait temps commencer, bien que le conseil de route, appliquer et politique du gouvernement va l'appliquer. Ça m'a donné un petit temps. Donc, 2 mois, capable paraît insuffisant pour évaluer le travail. Mais, entre remanier au gouvernement, 2 mois après, 3 mois après, 4 mois après qu'il est monté, et permettre que la situation soit instable ou bien par manuel quitter l'instabilité à progresser, qui est ce qui est bon. Moi, je crois que, quelle que soit la route qui mène vers la stabilité, vers l'apaisement, nous procédons à la.
est-ce que déjà commencé à gagner des rencontres calées au niveau ça, pour que nous avons un remaniement avant longtemps? Ma prédiction, le premier ministre avait dit, il dit que si tout acteur y ouvrait, si majorité acteur y ouvrait, pourquoi pas? Donc pourquoi pas? Si majorité, c'est discussion qu'a dit. Même quand on dit commencer là. Donc discussion a fait, discussion a continué. Même si tout à l'heure se dit que il y a des groupes qui demandent remaniement, il y a des groupes qui disent mais toi mes amis. Et je vois bon pour que des gens qui à peine rentrent 4 semaines, 8 semaines pour dire pour lire à l'école. Il n'y a pas de temps d'implémenter ça qu'on va l'implémenter. Il y a des voix qui allaient dans ce sens. C'est logique. C'est logique. Mm-hmm. Mais si, dans la conjoncture que nous avons, plus fort voix, majorité voix, c'est vers ça que on tente. Pourquoi pas? On répète exactement ça que le Premier ministre a dit récemment. Mm-hmm. Par rapport avec l'acte Sao, que nous rencontrons déjà, mais que nous avons continué à rencontrer. Mm-hmm. Est-ce que nous avons tendance à une majorité dans ce sens-là pour que c'est un changement passé meilleur et non? Et, j'ai suite dialogue là qu'a dit ça. Donc il y a encore tôt pour me dire si les majorités ou pas, parce que sinon tu as bien une décision qui prend. Vous comprenez? Il y a encore tôt. Et il n'est pas trop tard pour que le dialogue continue, que même les gens qui font que Chita continue Chita. Parce que si tu as gagné une majorité qui est dégagée sur ça, doit être fait là, aujourd'hui, je me garantis que oui, il t'a fait. Mais puisque le dialogue là a continué, ça doit être fait en temps et lieu. Nous avons regardé, on vit qu'on est tout qui est à disposition pour aller effectivement, on dit, M. Rilus, par rapport avec la fête historique, la fête nationale pour le 17 octobre, pour la manifestation, pour l'activité au Parc Amène, 18 novembre, sur le tribunal, on a avancé vers la fête de l'indépendance. Le 1er janvier qui a privé là. Maintenant, on a envie d'assurer que le climat qui permet que, bon, il y a fait et fait là, il y a songé ça qui est passé par rapport à la qualité de travail que vous faites. Mais on met une activité partout. Ouais. Ouais. Maintenant, le 18 novembre, on quitte envie de mettre une activité, peut-être rencontrer famille, on pas arrivé à faire. Maintenant, au niveau du gouvernement. Son dimanche, c'était. En plus. Maintenant, au niveau du gouvernement, c'est quoi la stratégie, c'est quoi la formule pour que là, maintenant, même on quitte à capable de pire assidio, nous river quand même faire participer dans l'apaisement mais stabilité que nous avons parlé aujourd'hui là. Premier bagage là, c'est convaincu. C'est convaincu que il y a pas d'intérêt dans l'instabilité. Ou bien pays n'a pas d'intérêt dans l'instabilité. C'est vrai qu'on commande transition. C'est vrai qu'on dit bon primati pour que peut-être réaliser agenda pas mettre en application et ça couvre comme. Mais le pays n'a pas gagné intérêt là-dedans. Moi, je n'ai pas gagné longtemps, non? Depuis que j'attendais un leader politique, un ancien premier ministre, un monde qui a passé comme militant politique, pour ne pas citer non, qui dit, et je cite, moi, regrette, moi, j'étais dans la manifestation pour le 1er janvier. 2004. Moi regrette que moi t'ai dans la rue, moi t'ai dans la manifestation 1er janvier 2004. C'est une position que ça vous demander ancien président, vous demander ancien président, ancien président qui était pouvoir. 15 ans après, ancien premier ministre là, qui c'est chef parti politique, qui c'est militant politique, on pas citer non lui, il dit que il regrette que c'est comme ça ça t'est passé. Mais mes amis, est-ce que 15 ans après 2018, nous sommes capables d'entendre le même discours encore? Mais nous avons une possibilité pour nous éviter. 17 octobre, c'est date historique, en mode de Saline. 18 novembre, c'est date historique, bataille de Vertières. Le monde entier a les yeux braqués sur nous. Et pas penser que, même si vous êtes bien avec nous, nous avons bien appris, que vous êtes content que vous avez gagné un groupe noir, nègre, esclaves qui révoltaient, qui bataillent, qui prennent l'indépendance, non? Pas penser que ça a bien sonné dans les oreilles. Et pas penser tout, lorsque nous avons célébré des dates historiques majeures dans l'histoire du pays, nous avons fait sous fond d'affrontement, de stabilité, que ça va faire au plaisir. Moi, je crois que personne n'est pas capable de dire, personne n'est qui joue, qui date, qui l'heure, pour y manifester.
Il est vrai que pour manifestation en fait, il faut gagner des dispositions qui prend avec la police pour que y ait sécurité. Mais moi, quoi, tout le sens du patriotisme capable de permettre maintenant ouais, que Haïti en premier. Mais mon cas manifeste dit parce que patriote. Mon cas manifeste dit c'est parce que vous voulez payer à changer. Mon cas manifeste dit vous faites parce que vous voulez changer le système, changer tout le monde. Et ça vous dit. C'est pas parce que vous voulez changer le système qui fait vous voulez payer à changer. Vrai. Moi, je dis ça déjà. Il y a des gens que le pays a changé, qu'il n'a pas changé. Je m'en fous. Parce que madame, yo petit, yo pas gagné intérêt dans le pays. Nous sommes d'accord sur ça. Il y a des gens qui veulent payer à changer. Et si vous voulez payer à changer parce que vous estimez que vous avez un pile d'argent débloqué pour faire payer à changer, qui n'a pas fait votre pour le faire, eh bien, le meilleur moyen pour que nous permettre que payer à changer vrai, c'est by institution qui là pour faire lumière sur ce dossier, faire lumière. Bah, le moyen pour faire lumière sur ce dossier, ya, et que les gens qui sont coupables, capables de punir, les gens qui ne sont pas coupables, capables de vaquer avec l'occupation, normalement, c'est ça le moyen et attitude progressiste. Là. Donc, si nous croyons dans le changement vrai, on garde le signal. Le Premier ministre Jean-Henri Séan dit gardez-moi, critiquez-moi, remettez ça me fait en question, posez-moi une question. La suivre, nous là. Il y a des gens qui nous suivent. L'éternel est tout le monde. Il est en train de voir tout le monde. Et il est prêt pour la réponse institutionnelle à chaque problème qui posait. Donc, si nous partons le climat stabilité, la réponse n'est pas venue vraie. Nous d'accord, la réponse n'est pas venue. Nous d'accord, nos transitions, c'est la conférence nationale que monsieur prévoit. Ou battre 4 la net, craser le Parlement et faire gouvernement de transition et après 2 ou 3 ans aller aux élections générales. Côte d'Ivoire, c'est Petro-Caribé. Alors, vous croyez que dans la situation que vous voulez mettre les pays là, vous avez un procès qui fait en bonne et due forme vrai, si c'est vers ça que vous nous tendez, pour vous, c'est un fait. Il faut gagner sérénité, il faut gagner stabilité, il faut gagner calme. Ce n'est pas dans le toit que je m'y mette là, non, je vais le faire. Parce que sinon, si c'est retiré comme un mid-pam qui aboutit vers le procès, tendance à faire quoi que, ah, ou même tout, sous les gens, nous avons fait, ou à le protéger, mon nom. Mais pour ne pas avoir de soupçon que personne n'a protégé personne, Jean-Premier ministre en dit là, c'est l'institution qui pour nous renforcer. C'est stabilité qui pour nous gagner. Et c'est vers ça que nous tendons. L'autre remarque qui fait, bon, côté voix de l'opposition, c'est par rapport avec réalité, quelques quartiers populaires, par exemple la Saline. Et il y a une somme d'images qui a circulé sur les réseaux sociaux, des images qui ont été très choquantes. Qu'est-ce qu'il y a comme données au niveau du gouvernement? Et le gouvernement, enquête a continué faite. Mais moi-même, personnellement, comme réflexe journaliste, moi lis plusieurs rapports. Dont un rapport de Fondation et J'éclairé. Avec Marie-Hélène Gilles, l'ancien RNDDH, qui fait ce dossier-là. Ou comprendre plus ou moins qui ça a passé. Il y a un affrontement entre plusieurs groupes rivaux. Mais c'est pas aujourd'hui, ah, non, que ça a fait. Il y a des quartiers côté que il y a. Et c'est la réalité, ça, oui, qu'on a bataille pour nous changer. La réalité qui voulait faire quoi que. Il y a des quartiers, des gens qui croient que la meilleure façon pour sortir sont les âmes pour qui n'en meilleur. Donc, la réalité, ça n'a pas combattu, n'a pas travaillé pour nous changer avec l'éducation. Donc, il faut avoir des possibilités pour tout le monde à l'école. Pour qu'on connaisse que demain, si Dieu veut, il y a qu'à venir chiter là même avec vous. Il y a qu'à venir chiter là même avec moi. Même avec tout le monde qui accompagne dans le studio pour permettre l'émission, ça est possible. Pour qu'on sorte tête. Sortir tête là, sortir corps là, pas obligé avec nos âmes. Nous sommes tout à l'heure, n'a pas eu de problème d'insécurité. L'insécurité, il y a plusieurs causes. Ou bien, cause là, capable de plusieurs têtes. Il est capable conjoncturel, il est capable structurel. Et qui c'est ça qui passe dans la Saline? Qui c'est ça qui passe dans l'autre quartier? Côté qui a un coup d'âme qui a chanté, etc. Ou bien, il y a des gens qui prennent balle, qui sont blessés, ou bien qui même mourent. Et chaque monde qui mourit, son monde en plus qui mourit, son monde en trop qui mourit. Faut nous d'accord sur ça. Parce que si un monde mourit, la famille a gagné espoir sur lui. Le pays a gagné espoir sur lui. Il y a un investissement qui est fait sur nous. Les gens qui ont investi ont obtenu un retour.
Les m'a investi dans petit moi aujourd'hui. Hein. Investir ça m'a pas non. Et pas moi non facilement cap jeune. On va vivre 50, 55, 60 ans, bien 40 ans aujourd'hui. Hein. Donc c'est pas moi qui va joindre ça qui va sortir comme investissement que me fait pour petit. Et pays hein. Oui. Mais meilleur cadeau que me ca faire c'est la possibilité que si moun yo yo formé, yo éduqué, yo remé pays yo et yo voulait travailler pour le changer. Et c'est vers ça que nous attendons. Donc, quitte c'est pour là ça, l'île ou bien l'autre côté qui gagne et problème que vous souhaitez évoquer. Est-ce que le gouvernement, est-ce que c'est une prise en charge? Évidemment. Du gouvernement. Évidemment, prise en charge. Elle est faite justement et retracer qui cause, qui fait problème ça. Mm-hmm. Et travail sous cause. Il y a un problème bien posé, déjà à moitié résolu. Il ne faut pas écouter les gens qui ont exploité. À propre fin par yo, quelle que soit la situation. Non? Moi, dans les organisations, je t'explique tout à l'heure, Fondation et Jekali. J'éclaire. Sous dossier la saline. Ça va dire que toute salle, c'est salier, que par l'autre voie capable. Et nous autres journalistes, nous sommes capables d'aller. Il y a un gouvernement tout justement qui a une équipe sous place qui a évalué ça qui passe, qui pour porter réponse. C'est justement faire ça que nous attendons, non? Pour nous connaître. Qui ça qui fait qui ça et qui gère pour que ça ne pas fait demain. Mais cette question vient interpréter, vient utiliser à des fins politiques là, il a bon. Par exemple, même j'entends dans des plusieurs paroles qui dit sur question 18 novembre, comme quoi président et Jovenel Moïse, premier ministre Jean-Henri Séan, y a pas allé vers tiers, que grand pile monde qui dans des grand pile interprétations qui a tenté bail sur le Séan. Mais mes amis. Je suis un privé, ancien président provisoire. Qui n'est pas d'Albertier. Michel Martelly, président pendant 5 ans. Albertier, yon fois. Ou les privés, le président. Albertier, yon fois tout. Donc, utiliser un série de situations pour que vous fassiez net la caïmonie. Un sentiment que vous avez un problème blanc. On ne peut pas dire que c'est meilleur. Jean-Claude Michel Martelly et René Préval ont fait tout pendant quelques fois pendant le mandat. Mm-hmm. Donc, le président Jovenel Moïse était verti l'année dernière. Donc, cela veut dire que l'objectif là, et le premier ministre Jean-Henri Séan, il dit le dimanche, non, il prioriser tout ça qui est capable de permettre que la paix établie, héritée. Donc, on était vers ça, on était là-dedans. Le gouvernement était représenté, et puis il y a une offrande florale qui était faite dans Mupana, il y a une déclaration qui était faite. Au époque, ancien président et René Préval, pas de même faire déclaration. Non, dans Mupana, il a déposé un jeep de fleur. Il a juste déposé un jeep de fleur là, et puis il a assisté avec une parade de la police. La police, et puis il est entré. Mais mes amis, pour qui ça vous n'a pas utilisé ça, pour que vous mettez dans la tête de Mounio, que vous avez. Là, il faut communiquer. De conscience, il faut communiquer pour eux, le ministère de l'Éducation nationale, dit pas l'école. Alors, vous croyez, monsieur, nous sommes un pays comme ça? Maintenant, Kouna, ça vous plaît entendre, c'est garanti pour répondre à l'activité. Parce que j'aime d'abord tout à l'heure, chaque fois, journée relevée, je regarde des cobs pour les petits tuyaux pour mieux manger. Oui. Il faut que nous l'école tout. De toute manière, on se dit tout à l'heure, après le monde, c'est là-bas, les petits tuyaux, on dit, mais il a lié, faut aller à l'école. Et se comprendre. Maintenant, il faut que le gouvernement crée les conditions pour que tout samedi là, il y ait fait. Et c'est ça la population attend. Justement. Et c'est ça peut-être la population a souhaité, comme on a une communication pour le ministre, dit yo, qui ça garantit à y, qui ça l'a fait comme mesure, qui ça l'a adopté comme disposition, pour que là maintenant, nous fonctionnons, nous répondons à l'obligation, et puis il n'y a pas de drame, garantie, c'est d'abord renforcer l'institution de la police là, qui est là pour et protéger vie et bien. Le premier ministre, dimanche dernier encore, il continue à parler avec, et comme chef CSPN, l'autorité policière. Garantir, c'est renforcer la justice pour que lorsque les gens qui font des choses qui sont mal, pour la police arrêter,
pour la justice juger et que ou et subir peine nous dans tant que vous devez subir là garantie à tout c'est continuer parler avec tout le monde pour faire ouais que nécessité a li pas aller vers objectif là je dis c'est pas chaos c'est pas instabilité garantie c'est continuer dialoguer avec tout secteur renforcer la police renforcer la justice pour permettre que la police fait travail lorsque il y a monde qui a fait trouble qui a fait des ordres il a arrêté il a déféré la justice li prononcer le soukayo que il a purgé peine normalement c'est ça oui garantie et c'est ça qu'a fait là justement pas ouais dans moment on a parlé avec vous là et monsieur Lindo gagné on connaît pas capable parler question de sécurité et dans grand jour mais il y a pile disposition qui prend pour permettre justement que la police là il y a moyen en main pour le faire travailler et que le présent ne serait-ce qu'une présence dissuasive pour dissuader des monde qui t'a voulu faire des mauvais actes fait et Dieu seul sait oui si pas de disposition ça qui te prend qui problème qui t'est capable gagner mais heureusement moi fais partie de une équipe qui prévoyant moi fais partie de une équipe qui suivre qui connaît réalité pays et qui connaît qui Jean pour lui attaquer réalité et vivre avec réalité et porter des réponses appropriées et c'est équipe ça justement qui bon garantit et tes spectateurs que tout ça qui doit faire pour qu'on vive en sécurité que c'est renforcer la police que c'est renforcer l'institution de la justice la fait pour que ou même capable vaquer librement avec et activité moi pas venir là pour moi dire tout le monde pour mon comportement d'irresponsable pour me dire tout le monde tout bagaille bien sous le soleil moi pas venir là pour me faire ça moi venir là pour me dire nous que toute disposition à prendre pour que l'institution qui l'a pour protéger, protéger. Et vous avez ça déjà hier ou bien dimanche dernier. Si la police n'est pas professionnelle, si la police n'est pas et a fait travailler, j'ai envie de le faire là. Pourquoi on est qui va les bagages qui est capable de faire? Mais heureusement, la police fait montre le professionnalisme. Avec le leadership du premier ministre Jean Rissé, qui est chef CSPN, justement, qui travaille tout le temps avec chef la police, là, pour que ça de fait, yo fait. Et les décisions qu'il doit prendre, il prend. Et peut-être, c'est une raison qui a fait ouais, que nous choisissons des activités qui fait, ou bien qui fait pas au prince, bien qui fait au cap ici. Premier ministre, là, avec le président. Ils ont fait Jean-Pierre, président, premier ministre, fait avant. Ils ont fait offrande florale. Dans le Mipana, ils ont fait déclaration dans la presse, mais il y a une activité qui fait au niveau du Cap Haïtien. C'est justement dans l'idée pour quimber la situation et de sécurité calme ça que nous voulons. Hein, parce que c'est lui qui permet que le monde vienne investir dans le pays. Hein. Ça l'avait dit, vous avez gardé là, capitaine de M. Aurélius, le gouvernement n'a pas dépassé, le gouvernement n'a pas contrôlé la situation? Oh, pas du tout. On va dépasser. Et nous comprendre ce qu'a fait là et n'a pas agi en conséquence. N'a pas agi en monde responsable. Responsable a voulu dire que ça doit être fait là, a fait. Et quel que soit le niveau que l'il y a, nous avons dit tout à l'heure, si c'est pour renforcer pour la présence policière, l'a fait. Et le fait déjà, je suis capable de commencer well dans la rue. Si c'est pour bailler la justice à moi et pour le travail, l'a fait. Et il commence à faire déjà. Et que les gens qui font mauvais actes, les gars, on a fait des ordres. La police arrête. Et puis après, pour elle dit que c'est persécution. Si quelqu'un veut faire des ordres, la police arrête au tribunal juge ou les condamner, on va purger peine. Si c'est pour passer maintenant dans le cabinet, si c'est pour passer maintenant dans le cabinet, je te dis tout à l'heure, pourquoi pas? Parce que tout ça, ou quand celle qui n'est pas compté sur la table, c'est Z4 instabilité. C'est Z4 vle pas vle fol aller. C'est Z4 crasé brisé. C'est Z4 chire pit là. C'est Z4 bay menti. Mais il faut communiquer dehors pour dire que il y a un problème. C'est Z4 ça pas monter sur table là. Mais tout l'autre Z4 qui capable permettre que pays a gagné, l'a monter sur table.
Le bleu, ils sont capables aussi, même cellule de communication. Pour le ministre Jean Issé, je suis content de parler avec vous matin. Merci un pile parce que demain, je suis disponible pour TLH. Ma première show, et M. Lindor, et ma première, c'est tous les téléspectateurs qui ont suivi l'émission. Je suis fini pour me dire que nous avons un carrefour aujourd'hui, hein, que nous avons un choix pour le faire. La population a un choix pour le faire. Et gagner une voix qui sait chaos, instabilité, désordre, vous voulez pas aller, faut aller, bombe 3 ans en primati, mal fait transition. Sans on va parler de questions pour ces Petro-Caribé. On voit pour ces tabula rasa. On voit qui c'est des ordres généralisés. On voit qui c'est élèves pas à l'école. On voit. Et on l'autre voit. Qui c'est stabilité. Qui c'est renforcement institution. Qui c'est bail sécurité. Qui c'est renforcer la justice. Voit ça. Que ma portée aujourd'hui. À titre de responsable dans l'équipe communication pour le ministre Jean-Louis en primature, je crois que la population est assez intelligente, les comptes qui voient la choisir. Nous demandons et côté de l'agent Petro-Caribé à passer. Oui, moi-même tout me demande. On demande, tout le monde demande. Et c'est ça qui fait gagner la justice qui est renforcée pour qu'il travaille sur la question. Et nous travaillons sur la question justement pour nous permettre que ce n'est pas le politique qui dit coûte l'argent à passer. Pour ce n'est pas le président, le premier ministre, le ministre et de la justice qui dit coûte l'argent à passer. Mais c'est la justice qui est placée pour le faire et qui dit ça. Eh bien, moi, je crois que dans la situation, ça est là pour nous aller. Parce que pas oublier, en 2019, il doit y avoir des élections. Nous avons travaillé sur le projet de budget et 2018-2019 rectificatif. Nous avons travaillé également, nous continuons à travailler sur la question des élections. Pour toute bagaille ça au cas fait, faut que pays est stable. Et il y a des gens qui parcourent dans la stabilité, hein, qui plus quoi dans le chaos, qui plus quoi dans l'instabilité. Hein, et moi, je crois que nous, comme qui ça pour nous chercher, parce que l'intérêt par nous, c'est dans le pays. Encore une fois, c'est à moi-même pour remercier. Est-ce que moi, tu es passé par case et mise au point. Parfait. Voilà, notre invité de l'Aurélus, Bunte Badbus, sous réalité, et puis regard au gouvernement, puisque c'est même cellule communication. Premier ministre Jean-Henri Seyar, sous avec nous dans la matinée, nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt.